Bonjour, donc je vous retrouve pour une petite présentation vidéo pour mes dernières créations. Donc ce sont des créations que je vais offrir à ma collègue qui s'en va. Donc je ne me suis pas encore décidée sur la carte que j'allais lui offrir. Je sais pas trop ce que vous en pensez. D'ailleurs, dans les commentaires, est-ce que vous pourriez me dire lequel vous préférez, lequel correspondrait le mieux? Voilà, donc c'est fait avec des tampons Florilège Design. Et puis ça, c'est 4 en scrap. D'accord, la grenouille et puis les lotus ici. Ça, c'est un grand tampon Florilège Design. Et ce sont des papiers. Ah, je ne sais plus. Je crois que c'est les ateliers de Karine. Non, Lorelei Design, excusez-moi. Lorelei Design. Donc, toujours les mêmes papiers Lorelei Design avec l'album. Donc, les thèmes imposés étaient soit Espagne, soit couleur, soit voyage. Donc, j'ai choisi couleur et voyage. J'ai fait une reliure en U. Voilà, c'est aimanté. Ok. Et il y a aussi, il y a quand même pas mal de pages. 6 pages. Donc, ça fait quand même pas mal au total, de place pour les photos. Donc à chaque fois j'ai fait des carnets hein, évidemment. Donc ça c'est une pochette asymétrique. À chaque fois j'ai mis également des tags pour pouvoir y mettre d'autres photos. Ça c'est un petit carnet comme ceci. Oui, je me suis plantée quand j'ai collé la page, je sais. Bon, ça arrive à tout le monde. Ici, ça s'est aimanté et il y a ça par-dessus. Voilà. Je trouvais que la page se suffisait à elle-même. Donc là, ça s'est collé. D'accord? Donc c'est juste une place photo. Et ça, c'est un carnet. Voilà. Oups. Une page toute simple parce que les papiers étaient tellement beaux que je voulais pas les séparer. Pareil, j'adore ce papier donc j'ai pas voulu trop. Voilà, j'ai juste fait un petit carnet ici pour la fin. Voilà l'arrière, donc j'ai bien fixé avec des œillets avant de coller ma page ici. Et donc ça c'était un tampon que j'avais eu dans un Passion Scrap. Passion Scrapbooking. Et puis des étiquettes de la collection. Et puis donc là les petits tampons, le petit tampon comme ça c'était Studio Light. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye.